bon, j'entame le vlog d'une manière un peu différente, mais je suis avec les chichous dans le canapé là. Alors, comme ils sont tous les trois sur ma tronche, je me suis dit que j'allais vous montrer. Et il y a la Cicuini. Et là, c'est Gougou. C'est le pot de colle à sa maman. Hein, aïe! Aïe, mon petit con. Regarde. Ah. Et ça, c'est Riley. Je crois que vous avez compris. Il est. Oui, il doit être 7h. 7h, 7h30, truc comme ça. Est-ce que je sais voir, non? Non. Non. Ça va couper l'enregistrement. Donc voilà. Oui, j'ai cette tête-là. Hier, j'ai dû me coucher. Il était presque 3h. Luna, merci. Et je me suis levée à. Il m'a réveillée à 6h30. J'ai dormi moins de 4h encore. Je commence à avoir l'habitude. Donc voilà. Là, aujourd'hui, j'ai plein de montage à faire. Parce que j'ai glandé tout le week-end sur mon jeu, donc enfin depuis jeudi je suis sur mon jeu, quasi non-stop. J'arrête juste pour faire ce que j'ai à faire. Mais là je vais faire mes montages parce que j'ai toujours pas monté la vidéo de mercredi. Et on est que lundi, hein, ça va. Mais ouais, je vais faire du montage. Et demain je filme trois vidéos, je crois. Deux ou trois vidéos, j'aurais bien. Suivant ma motivation. Mais je dois tourner les deux halls déjà. Enfin, un make-up, un haul au moins. Et puis peut-être un deuxième haul, je sais pas. Je vais voir. Comme ça, je peux ranger mon bordel. Parce que j'ai tout qui traîne et vous savez que j'aime pas ça. Week-end, bah voilà, j'ai rien foutu. Ça a été principalement jouer. Jouer, siester. Il y a juste ma belle-sœur et mon beau-frère. J'ai mal le bras. Qui sont passés parce qu'elle est venue me déposer une robe où je dois lui faire un ourlet. Du coup, chérie, on a profité que son frère était là pour aller chercher la moitié du placo. Donc, il a été chercher 10 planches de placo et il lui aurait dit ça aller chercher dans la semaine, mais il ira avec un des gosses, probablement Georges, puisque ouais, Enzo travaille de 2-10, s'il travaille. Ouais, sinon, il n'y a rien eu de spécial. Hier, on a reçu l'IPTV. Donc, j'ai commencé les Conjuring. Et j'ai eu la bonne idée hier à 1h du matin d'aller sur Discovery Investigation. C'est que des documentaires criminels. Et je suis resté bloqué dessus jusqu'à presque 2h. Ouais, non, à 2h, j'avais éteint le PC. Mais en fait, après, il y a les titis qui se sont réveillés. Donc, j'ai joué avec eux pendant 45 minutes. Donc voilà, les titis sont sortis à 2h du matin et eux à 7h du matin. Voilà, mais là, comme ils sortent pas du week-end, le lundi, je les laisse toujours bien gambader jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher en principe. Et grand max à 9h, ils sont 9h, parfois 10h, mais c'est assez rare. Ils sont dans leur cage. Sauf si Riley fait vraiment trop chier parce que vous l'entendez, c'est une misère. Bonjour, Pépé Luna! Quittez ma bébé Luna. Voilà. Et moi je vais entendre ça jusqu'à ce que les chiffres rentrent. Oh! Bon, elle fera peut-être un peu moins de bruit une fois que je serai de l'autre côté de l'enclos, mais c'est rare que je reste aussi longtemps un peu dans l'enclos, mais là je suis naze et je suis en train de bloquer. Riley! Donc voilà, j'entends ça tous les matins pendant au moins minimum 1 heure, le temps que les chichous sont dehors. Elle est chouette ma vie. Hein. Ouais, le week-end donc j'ai rien foutu de particulier. À part jouer. J'adore ce jeu. Je kiffe ce jeu. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va évoluer. Oh, Riley! Bon, bref, je vous prendrai demain quand j'aurai fait rentrer les chichous, parce que là, c'est juste pas possible. Avec Riley, c'est... Même moi, je m'entends pas penser. Alors, imaginez-vous si vous ce que vous devez entendre. Enfin, j'imagine ce que vous devez entendre. Allez, bah, sur ce, je pense qu'on va déjà switcher 2 jours, hein, puisque j'ai rien de plus à vous dire. Là, je vais glander. Oui, c'est Pépé Luna! Je vais faire un bisou. Oh, je vais faire un bisou. Oh, quand c'est ma Pépé Luna. Bah oui. Oh, c'était ma bébé. Oh, c'était ma bébé. Bah oui. Attention, on va la gougou. Il n'aime pas quand c'est un des autres qui vient vraiment. Mon gougougou. Gougou. Gougou. Tu veux dire bonjour, maman? On va faire un bisou. On va faire un bisou. Ah non, tu boudes. D'accord. Je t'ai rien fait, moi. Hein. Oh, mais je fais ça plus du tout. Bref, allez, on switch. Alors, il est 10h50. Voilà, je vous ai pas pris hier parce que j'ai mal au dos.
Mais alors hier, là j'ai mal au dos, hein. Mais alors hier, c'est juste insupportable. J'avais mal dans le bas du dos et le bas du ventre. J'ai pris deux cachets, alors que je prends jamais de cachets, hein. J'ai pas arrêté de faire ma chaleur, donc j'ai pris celui qui va pour la nuque normalement, j'ai mis dans mon dos. J'ai dormi avec 1 heure, parce qu'il s'éteint au bout d'une heure, hein. Et je l'ai refait le soir à la télé en regardant The Voice. C'est un peu calmé, j'ai encore mal. Mais c'est plus comme hier où j'avais vraiment du mal à marcher et tout. Donc j'ai dormi toute la journée en fait. J'ai fait 3 siestes, je crois, hier, sur la journée. À chaque fois que j'ai pris un cachet, déjà, plus ma sieste classique, quoi. Donc là, je vais reprendre un cachet quand même pour essayer que ça passe complètement. Parce que c'est juste pas possible. Du coup, on devait aller chez mes beaux-parents hier et finalement, le chéri, il a dit, oh non, j'ai pas envie de bouger. Donc ça m'a arrangé puisque du coup. Je me suis dit, si on va encore là-bas et tout, je vais avoir mal partout, et tchik et tchak. En plus, c'était férié, donc chérie était là toute la journée. Voilà. Bon, écoutez, là, j'ai enchaîné, j'ai tourné mes deux hauls, donc AliExpress et Temu, hein, que vous allez bientôt avoir. AliExpress, normalement, vous l'avez déjà eu. Sa vidéo, vous l'avez eu vendredi. Et Temu, c'est samedi. J'ai déjà reçu la commande de Chine de Sam, donc il m'en reste deux petites à attendre, les miennes. Parce que j'en ai revu une ce matin. Voilà. Bon, il y en a pour 20 balles, hein, pour celles que j'ai commandées aujourd'hui. Mais comme je me suis planté dans les moules du hall Temu que vous verrez samedi, j'ai recommandé celui que je voulais. Et j'ai commandé une raclette pour sous la douche pour quand on aura fait la salle de bain. Enfin, vous verrez bien ça dans le hall. Ouais, donc hier, super mal. Là, j'ai encore mal. Et donc, du coup, comme j'ai dormi toute la journée, ben, j'ai eu du mal à me coucher le soir. Mais c'est une question d'habitude. Hein. Là, on a Miss Pépette qui dort. Je viens de finir de filmer les halls. Elle a foutu le bordel pendant que je filmais. Maintenant, elle dort. Voilà. Sympa. Ouais, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Réfléchis, hein, mais je crois pas que j'ai quelque chose à vous dire. Par que je suis crevée, que j'arrête pas de jouer. C'est peut-être ça aussi, hein, que j'ai mal au dos, c'est à force d'être tassé sur ma chaise et de prendre des positions un peu bizarres quand je joue. Mais voilà. Je suis fatiguée avec les cachets, ça m'a flingué. J'ai pas l'habitude de prendre des cachets, hein. Bah, je prends mes cachets réguliers là. Que je dois prendre, hein, celui pour mon estomac, celui pour la dépression, maintenant ceux pour mon ventre, pour éviter les crampes, la vitamine B, le magnésium, mes vitamines. Ça fait un peu beaucoup de comprimés à avaler la journée. J'ai plus de batterie. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que de toute façon, il ne se passera rien de spécial. Et du coup, ensuite ce jour. Bon, alors, il est 10h15. J'attends le farceur qui doit m'amener ma commande Chine, la deuxième partie. Il me manquera plus que la toute petite partie que j'ai fait hier, mais je pense que je vais déjà filmer ce que je reçois aujourd'hui. Je filmerai ça demain parce que là j'ai mal la tête. Les chiens sont fermants. Ah, surtout réglés. Et vu que j'ai commandé un jogging pour mon neveu et qu'on va chez eux dimanche, comme ça je peux lui amener en même temps. Et voilà. Là, j'attends donc que le facteur il passe. Je suis gelée. La porte est encore ouverte, mais si je ferme la porte, Riley elle fait que demander à ce que je l'ouvre. Donc je la laisse ouverte même si j'ai froid parce que c'est trop chiant. Voilà. Et là, on sort, elle fait que ça. Elle est infernale là, ça fait 2 jours infernale. Après, je vous reprendrai pour mettre ça et le hamac pastèque au Titi. Mais j'attends d'abord que le facteur passe parce que ça, vous allez voir que ça va être une fugue générale normalement. À moins qu'il dorme, mais profondément. Mais il ne faut pas rêver. Les deux petits, dès qu'ils entendent la porte de la cage, ils se barrent. J'attends qu'il fasse un peu meilleur. Si un jour on a un petit peu de soleil pour sortir la cage et la laver à fond au jet d'eau et à la brosse. Parce que bon, laver les barreaux avec la lavette, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Donc la cage est dégueulasse. Voilà.
Mais comme on a un temps de merde, je ne peux pas la laisser 3 jours non plus dehors, puisque je ne peux pas laisser les titis trop longtemps hors de leur cage. Je peux les prendre sur moi, hein, mais dans leur pochette et tout ça, mais les deux petits sont juste intenables. Donc eux, dès qu'ils sont dehors, ils font que des conneries. Ils sautent partout, ils retournent tout, ils jouent sur mon bureau, ils boivent mon café. Silver adore boire mon café. Alors il est déjà assez speed comme ça. Donc je vous prendrai après. Non. Non, d'accord. Je vous prendrai après pour faire ça. Et vas-y, hein, mets-toi devant ma tête, qu'on ne me voit plus. Arrête avec mes mains. Ou je te bouffe. Je vais te bouffer. T'es chiant. T'es chiant. Non, pas léché. Gâté. Oui, gâté. Voilà. Et voilà. Elle va pas me laisser parler maintenant. Parce qu'elle veut que je m'occupe d'elle. Elle n'aime pas quand je m'occupe de quelque chose d'autre. Chiante. Elle est casse-couille. Moi j'ai préparé le facteur. Voilà, ça c'est Amazon. Georges a voulu que je recommande des lunettes anti-lumière bleue pour quand il joue. J'espère juste qu'elles sont pas cassées. Mais je vais mettre ça dans une petite enveloppe. Arrête! Maintenant écoute, elle est assise derrière moi. Hein. Puisque je l'ai virée pour. Ah non, ça va, elles sont emballées. Normalement il y a deux paires. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une quand même. Hein. Donc oui, moi j'ai préparé hier, ça m'a pris, j'ai voulu tenter. J'ai fait une vidéo sur Palia, donc pas un live, mais une vidéo. Donc vous l'avez déjà eu, je vous la remets en barre d'infos. C'était marqué deux paires, hein, je suis pas folle. Hein. Ah non, il y a bien deux paires. Bon, c'est des petites, hein, mais voilà, pour Georges, pour ce qu'il en fait. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Hein. Je sais pas, dites-moi si vous. C'est de la gnognotte. Hein, ils font pas long. Hein, mais bon, je perds. Bon, moi je vois absolument rien. Ouais, la prochaine fois, je m'en reprendrai peut-être bien des plus fines comme ça. Hein. Je sais pas. J'aime bien. Est-ce qu'elles vont sur mes binocles? Ça fait l'anneau bleu. L'anneau lumineux, il fait bleu. Je sais pas si ça change quelque chose pour regarder. Ouais, c'est un peu plus jaune, quoi. Mais bon, moi, j'ai toujours une très faible luminosité à mes écrans. Donc, parfois, c'est un peu chiant quand vous regardez des films d'horreur. Les trois quarts du film, c'est tout noir. Vous ne voyez rien d'autre. Donc là, je monte un peu la luminosité, quand même. Et l'autre, c'est une paire de gris un peu transparent. Oh, c'est lui aussi. C'est joli, ça. J'aime bien. Je verrai mieux quand je ferai le montage, puisque moi je ne vois rien sans mes lunettes. C'est pas mal. Ça éclaircit le visage, hein, ça fait moins sévère, moins strict que ça. Mais voilà, moi j'ai des lunettes autant que ça se voit que j'ai des lunettes. En plus, on commence bien. Mais bon, vous entendez à la qualité, c'est vraiment de la gnognotte. Hein. Mais pour ce que ça m'y va en faire. Et j'ai payé 8 euros les deux paires. Donc, bon. Bref. Donc oui, moi j'ai fait la petite vidéo astuce sur Palia. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, vous me direz ça en commentaire pour ceux qui l'ont vu. Et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous la remets en barre d'infos. Et ce soir, je fais un live aussi, Palia. Ça va juste être voilà, pour papoter ensemble, le temps où je joue un peu avec vous. Quoi. Je vais rien faire d'incroyable sur le jeu non plus. J'aimerais bien monter ma compétence pêche, donc je pense qu'on va faire une petite session de pêche. Je ne sais pas, on verra bien ce soir comment ça va se passer. J'espère que ça ne laguera pas trop. Là, j'ai programmé avec OBS, donc je verrai ce que ça va donner. Et voilà. Je vais aller faire un petit pipi et je vous reprends au téléphone, comme ça je peux utiliser le trépied pour mettre les trucs dans la cage. Donc faites pas attention, elle est dégueulasse. Hein. Faut que je la nettoie, bien que le fond je le fais régulièrement, hein, mais les barreaux, il faudrait vraiment, vraiment que je puisse la sortir pour la laver vraiment à fond. Mais à savoir quand est-ce que je vais pouvoir faire ça, vu le temps qu'on a. Je sais pas comment est-ce qu'il fait aujourd'hui. Ah, 18 degrés, hein, moi je suis complètement gelé, mais
Orageux, nuageux, nuageux. Il prévoit 30 degrés vendredi, j'y crois pas une seconde. Ouais, il prévoit jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi, mais j'y crois pas. Et de toute façon, il prévoit de la pluie à gogo. Nuageux ou pluie, voilà. Tout ce qu'on a. Il fait tout gris, tout dégueu. Tout humide. C'est pas bon pour le moral, hein. Franchement. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle arrête pas de bouger. Elle a des vers au cul, c'est pas possible, celle-là. Même la nuit, elle fait que ça. Et elle bouge, et elle bouge, et elle bouge. Et après, on s'étonne que je suis fatiguée. Elle est tout en train de me réveiller parce que. Parce qu'elle fait que bouger. Une fois, elle va être en dessous de la couette, une fois au-dessus, une fois près de ma tête, une fois près de mon cul. Elle n'arrête pas. Donc, je vais faire mon petit pupille et je vous reprends pour installer. Ah, il faut que je prenne mon escabelle aussi parce que sinon, je suis trop petite. J'arrive pas au haut de la cage. Donc, j'arrive. Voilà, vous n'allez pas voir grand-chose. Il y en a déjà un qui a entendu que je mettais l'escabelle devant, que j'ai poté à la cage, qui est déjà sorti, mais vous allez les voir se balader, je pense. Donc j'espère que vous me voyez bien, hein, parce que j'ai pas l'écran, le retour écran. J'ai enlevé mon gilet parce que sinon je me fais agresser. Oui, sur mon bébé. Bonjour mon bébé. Oh, attends, on va se planter. Oh, pardon. Moi, je t'ai fait peur. Oh, moi, je t'ai fait peur. Oh, pardon, je t'ai fait peur. Alors, il n'y a personne ici. Mais j'aimerais bien bouger le hamac et la tente. Et vous êtes dedans, bien évidemment. Juste pour m'enquiquiner. Hein? Bonjour, monsieur. Et hop, on voit un qui va se péter l'incruste sur son moment. Bonjour, mon bébé. Bonjour, mon bébé. Bonjour, mon bébé. Là, il va falloir que tu te bouges. Ah, vous êtes tous les deux là? Silver, tu as contre la vitesse grand V. Allez, on sort de là. On sort. Allez, Silver. Allez, Sky. Allez. Allez, viens, ma mère. Allez, viens vite. Non, toi, viens, je vais vous en mettre une propre. Hop là. Non, pas mes doigts. Alors, vous allez voir comment ça visite dès qu'on leur met un nouveau truc, ils deviennent tout fini. Allez, laisse ça. Laisse ça. Oh, c'est un méchant. Alors, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le fixer au sol. Si j'ai Ah, laissez-moi le temps de la mettre dedans au moins. Vous êtes déjà en train de la retourner. Je ne l'ai même pas fixée encore. Ils sont pareils. Je peux la fixer. Voilà. Faut aller dedans, pas dessus. Que vous n'avez pas trop vous accrocher dessus. Il n'y a plus personne dans la hamac. Alors on va changer de hamac. La hamac, je ne suis pas sûre qu'ils aillent dedans. Hein. On met des fruits dans la crave. Bon, je vais me vérifier quand même pas un coincé dedans. Celui-là, on va pouvoir le mettre à laver. Mais trailer, fil. Oh, m'énerve. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Hein, mais ça va bien. Allez, hop. S'il vous plaît, là. Mais ils sont déjà en train de le mordre. Hein. Ils découvrent en mordant, en fait. Hein. Mais arrête de mordre moi, toi. Non, mais c'est pas fait pour jouer. Laisse-moi l'accrocher. Alors, je dois tout faire avec eux sur les mains. Silver, tu m'emmerdes, j'arrive pas à mettre le crochet. Riley, laisse ça. Le
Voilà. Ouais, ça leur fait un peu plus de place. Hein. Mais quelqu'un dedans déjà. Par contre, là, ouais, la boule, elle a tendance à tourner. Mais au moins, elle se coiffera pas. Bon, dedans. Oh, c'est bien ça. Oui. Ils sont en train de s'acharner sur le hamac. Je vais vous prendre au téléphone pour vous montrer de plus près, ils sont de la cage. Sinon, ils vont se balader. Et Raïla qui fait que des conneries, mais... Voilà, sa visite. Oh, qu'est-ce que c'est? Maman, elle a mis des nouvelles maisons. Oui. Bonjour, Suzy. Bonjour, Suzy, t'es à peu près là. Non, non, ça c'est mon téléphone. Non, non, on laisse mon téléphone, s'il vous plaît bien, merci. Bonjour, ma Sky. Ah, bah ça y est, je me fais péter un cruche par Suzy. Non, Suzy, descends. Tu me fais mal. Suzy, Suzy, Suzy. Laisse mon téléphone. Bonjour, ma Sky. Non, Suzy, remonte. T'as accroché mon bébé Silver. Attends, attends, maman va te décrocher. Attends. Il est peut-être un peu trop poilu pour toi, ce truc-là. Et voilà bébé Silver qui va me niaquer. Tu vas me mordre, c'est sûr. Oui, tes bisous, je les connais, tes bisous. Après, ça finit par scrooch. Aïe, Suzy, elle vient ici pour me mordre le doigt. Elle. Ah, sale pète. Sale pète. Je vais leur donner un peu de verre. Les deux crocs sont en train de manger. Qu'est-ce qui veut? Aïe, Suzy, arrête de mordre. Mais arrête de mordre. Qui c'est qui veut des verres? Il y en a dans la cabane, là, je ne vois pas. Ah, merde, attendez, je ne vous ai pas pris dans le bon sens. Oh là, je vous fais tournicoter. Je ne vois pas. Il doit y avoir bébé Silver dedans. Là, tu manges. Tu manges. Oui. Bonjour, ma Sky. Bonjour, t'as accroché, bien fait, t'as pas besoin de te sauver. Bon, voilà, je vais continuer. Je vais aller leur mettre... Ah, merde. Suzy, Suzy, Suzy. Et hop, elle est fouille derrière. Bon, je vais surveiller ça parce qu'il y a Riley qui est pas loin. Je vais leur donner des verres, comme ça après ils dorment et puis voilà. Là, on a Shadow qui mange. Bon, je l'ai perdu, je sais pas où aller. Allez, sur ce, attendez. Voilà, sur ce, on peut switcher deux jours, mais j'ai perdu un Titi. Suzy, t'es où? Ah, t'es là, ok. J'ai le téléphone dans la cage et moi à l'extérieur, la logique des choses. Et en même temps, je vais pas me mettre à l'intérieur de la cage. Voilà, bah écoutez, vous aurez vu un peu les kikis. Les chichous, je leur mettrai leur petit cochon tout à l'heure, que vous avez vu dans le hall AliExpress, quand je les ferai sortir cet après-midi, après ma sieste. Parce que si eux, je vais dans la cage, ils se barrent aussi. Donc si j'ai une fugue générale de toutes les bestioles dans la maison, ça va pas le faire. Je vais descendre de mon escabelle avant de tomber aussi, parce que je vais me casser la gueule. Je vais me casser la margoulette. Ah merde, j'ai fermé, mais c'est vrai qu'il y a Suzy qui est dehors. Je l'avais oublié celle-là. Si vous faites pas gaffe, elle est très 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 discrète. Hein. Silver beaucoup moins. Mais elle est très 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 discrète. Et du coup, ben, faut m'enfermer dehors. Et puis après, je se promène dans la maison. Tranquille. Bon, je vais leur donner des verres. Vous avez le reflet de la lampe, c'est génial. Et donc, nous, sur ce, on peut switcher de jour. Alors ouais, je vais clôturer à moitié dans le noir. Enfin, dans le noir. Tout est relatif. J'ai mal au crâne, il est 10h là, 10h05, j'ai chopé mal le crâne d'un coup là, mais j'étais occupée avec mes montages, mes barres d'infos de haul et tout ça, c'est hyper long à faire pour vous mettre tous les liens en barre d'infos et tout ça, réduire les liens d'abord, et puis enfin c'est super long quoi, voilà. Donc là j'ai enchaîné deux montages et deux uploadages de vidéos. Il me reste plus que le vlog à tourner, mais je pense que je vais d'abord aller dormir un peu parce que j'ai trop mal le crâne.
Et je ferai ça après, mais il faut absolument que je le fasse aujourd'hui parce que ben, je suis pas là du week-end en fait. Demain, je vais chez Manon voir ma bichette. Donc, on va être parti quasi toute la journée. Et dimanche, on va passer la journée dans la belle famille. On va manger à midi chez ma belle-sœur et certainement aller faire un tour sur la fête en fin d'après-midi. Donc, ça va être très long. Tout le week-end sans faire de sieste. Lundi, je vais être complètement explosé. Donc, vous vous étonnez pas pour le prochain vlog si vous me voyez complètement décomposé. Voilà, voilà. Donc, je vais vous donner le planning. Donc, hier, j'ai fait le live. Le live Palia, donc je vous ai sorti la vidéo astuce à 3h et j'ai fait le live le soir. Je vous remets la rediff du live en barre d'infos. Ça a été galère, mais galère de chez galère. Tout à l'heure, chérie va me chercher. Enfin, quand il rentre du boulot, on va au Cora faire 2-3 courses et je dois passer chercher le cadeau de Manon et de ma belle-mère au passage. Et je pense que je vais d'abord passer chez Action et reprendre une paire d'écouteurs avec un micro puisque ça grésille, je sais pas pourquoi ça a grésillé comme ça. Enfin, ça a été tout un foutoir pour ceux qui étaient là sur le live. Alors on est encore une fois très peu nombreux parce que bah voilà, c'est toujours les vacances et puis c'est en pleine semaine, mais on a passé un bon moment. Donc voilà, j'aime beaucoup faire les lives jeux parce que ouais, le soir c'est ce que je fais de toute façon. En principe je joue en regardant des vidéos, là je joue en discutant avec vous, donc c'est agréable. Et pour moi et pour vous, je pense que c'est agréable à regarder aussi parce que les graphismes sont pas moches. Donc, et puis c'est très cosy, donc chill, on se détend ensemble. Voilà. Donc le planning de la semaine prochaine, lundi, Alphabet Challenge K avec voilà. Mercredi, pas de make-up parce que j'ai pas le temps de la tourner vu que entre le fait que j'ai été bloqué du dos, le mal de crâne et tout ça. Mais j'ai fait un nail art. Voilà, comme ça vous avez quand même une vidéo beauté. Vendredi, Alphabet Challenge L avec Lune. Et samedi, un haul Temu, dimanche le bloc. Voilà. Hier, j'ai reçu la deuxième partie de mon haul Shein. Donc, je voulais attendre de recevoir 2 et 3 pour tout tourner. Hein. J'ai tourné la partie avec Sam quand il l'a reçu, là, je sais le quand, cette semaine. Sauf que ben, j'ai reçu le jogging que j'ai commandé pour le petit. Et comme on les voit dimanche, ben, je vais tourner cet après-midi. Je serai en 3 parties. Voilà. Sur le hall, vous aurez 3 fois une tête différente. Quoique. Toujours une tête zombie. En ce moment, je suis beaucoup en mode guenuche. Hein, mais je suis explosé. Complètement explosé. Voilà. Donc ouais, demain je vais chercher. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes obligé de retourner toute la cage? Shadow, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait tomber la petite maison? T'étais coincé dedans ou quoi avec ton gros cul? Ils ont tout retourné. Bon, je vais aller remettre ça. T'es accroché? Attendez, il y a un accrochage. Attends, force pas, pas mal la papate. Arrêtez de me manquer, petit. Allez-vous, papa. Attends, parce que je ne peux pas glisser. Comment? Bon, il y a eu fugue, donc je vais vous laisser avant que Riley me les voie dehors. Il y a eu fugue générale. Donc, on se retrouve bah, de toute façon toute la semaine en vidéo, enfin toute la semaine, les jours que je vous ai mentionnés. Attendez. Viens ici, toi. T'es où? Viens par ici. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air et des commentaires. Je vais surveiller mes titis avant que ça dégénère. Et bah, je vous souhaite une bonne semaine. Et Vici, couchez-toi. Je suis dit, ici, Shadow, viens par ici, Silver. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a fugue, c'est qu'il y a fugue. Va sur la cage. Voilà. Allez, je vous dis bisous.